Je veux prendre un moment pour vous montrer comment réduire les tensions, des maux de tête, des migraines, ainsi que les tensions dans le cou, les épaules, les mâchoires et tous ceux qui ont des tensions aussi au niveau de l'oreille, si vous souffrez d'otite ou d'acouphène. Aujourd'hui, je vais le faire avec le ballon maman, qui est fantastique parce que la traction de ce ballon est incroyable, mais vous pouvez aussi le faire avec vos mains. Ça fonctionne bien aussi. Moi, j'aime beaucoup le ballon parce qu'il est doux, il a une grande surface, puis il va aller chercher multiples régions. On va aller s'attaquer à un endroit qui est vraiment névralgique, c'est le cas de le dire, au niveau de tout ce que j'ai mentionné tantôt. C'est vraiment le point de jonction entre la mâchoire inférieure, le cou, la colonne vertébrale, la tête sur notre cou. Juste ici, à la base, derrière l'oreille, il y a le passage du nerf vague, qui est un nerf relié à tout votre système nerveux parasympathique, votre mise en détente ou en stress. Vous avez aussi des muscles du cou qui s'attachent juste ici aussi. Toute la mâchoire ici, drainage lymphatique incroyable et avec l'adhérence du ballon, c'est fantastique. Je vais juste vous montrer comment on veut déplacer le ballon. Vous pouvez le faire avec les mains aussi, ceux qui veulent l'essayer avec les mains. Vous allez placer le ballon vraiment sur la jonction entre la mâchoire inférieure et le cou. On va essayer d'aller chercher un petit peu ici au niveau du haut du cou, en dessous de l'oreille, dans ce coin-ci. Et l'autre partie, c'est plus sur la mâchoire inférieure vers l'avant de l'oreille. On veut se déplacer vers le haut un peu. Vous voyez comment ça crée une traction, que ça remonte. C'est un super facelift, en fin de compte, du visage pour aller drainer. Parce que lorsque vous êtes malade, là, vous allez peut-être sentir les glandes lymphatiques ici, là, bien, ça, il y a beaucoup, beaucoup de glandes dans votre cou. Puis quand la lymphe est saturée ou bloquée, ça va créer énormément de tension, de pression, autant au niveau musculaire qu'interne, au niveau lymphatique aussi. Le ballon, on va le prendre. Moi, vous voyez, il n'est pas gonflé au maximum. Je vais être capable de l'appuyer vraiment dans la même région. Puis, je l'appuie un petit peu en avant de sur le coin de ma mâchoire ici. Puis, je le tire vers l'oreille. Vous voyez, ça plisse mon œil. Et ça remonte. C'est un petit facelift ici. Je peux, en même temps de faire ça, je peux mobiliser ma mâchoire. Appuyer peut-être un peu plus dans le cou, juste ici, pour aller chercher. Là, je le sens jusqu'à ma clavicule, ce qui est génial pour les tensions du cou. Puis, je remonte vers l'oreille, un peu comme si je voulais me raser avec le ballon vers l'oreille. Je maintiens ça quelques secondes. J'appuie ma tête. C'est sûr que je travaille aussi les muscles du cou, ce qui est génial. Nos muscles du cou sont souvent pas assez engagés. Puis, je relâche. Puis là, je peux appuyer, recommencer. Je peux même twister. Ça, c'est l'avantage du ballon. Je peux faire des petites rotations. Et juste le temps de faire ça, quelques secondes, je sens déjà que la quantité de salive que j'ai dans la bouche a augmenté, ce qui signifie que mon système nerveux est vraiment heureux. Il est positivement en mise en détente. Puis je relâche encore. Puis là, je peux faire ça quelques fois, le nombre de fois que je veux dans le fond. Tant que ça fait du bien, vous voyez, moi, je vais même chercher un peu en avant de l'oreille. Je peux changer un peu la direction, reculer. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher vers l'oreille puis de faire un petit peu un facelift dans cette direction-là. Avec la main, ça fonctionne bien, mais moi, j'aime bien la flexibilité que le ballon me donne pour aller appuyer. Juste le temps de faire ça, je sens déjà que tout autour de l'oreille, qu'il y a beaucoup de glandes lymphatiques qui se sont libérées. J'ai une légèreté. J'ai l'impression de mieux entendre aussi. J'ai comme une perception de mon oreille, mais aussi de la pression interne de mon oreille qui a changé. Tout le cou aussi, au niveau de l'épaule et ma mâchoire. Et j'ai même le goût de bâiller. Je vous invite à faire la même chose de l'autre côté, même si vous avez un côté qui est plus tendu. Si vous portez des appareils dentaires, ça crée des tensions. Si vous souffrez de bruxisme, c'est génial aussi. Mais si vous avez beaucoup de maux de tête et de tension dans cette région-là, je vous invite à faire « Fixe tes maux de tête ». C'est un atelier de la série « Fixe tes bobos » de la méthode BodyFix qui est génial. Je vous mets ici le lien pour vous inscrire. Allez sur le site et inscrivez-vous jusqu'au 18 juillet. C'est en pré-inscription. Et à partir du 19, vous l'avez en prix régulier. Ça vous appartient à vie.
qui a pas mal à la tête, qui a pas des tensions dans ce rejoint-là, qui a pas besoin d'être détendu, qui a pas besoin de plus d'énergie ici. Ah, moi, je sens que j'ai vraiment une grosse différence entre la droite et la gauche, donc je vais aller faire l'autre côté, puis j'espère vous rejoindre à l'atelier Fixe tes maux de tête très bientôt. Bye!